Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 21 mars 2023. Et c'est le printemps aujourd'hui, alors bienvenue au printemps et accueillons le printemps à bras ouverts. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé hier une jolie journée. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé, fixé des limites. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Alors, fixez ces limites. Est-ce que vous fixez vos limites Est-ce que vous savez dire non Est-ce que vous dites oui quand il le faut est-ce que vous regardez euh, ce qui vous convient Est-ce que vous vous fixez des limites ou attendez-vous que ce soit les autres qui vous les fixent Alors, il est maintenant. Il est, ma il est maintenant temps pour toi de redéfinir tes frontières. Oui. Eh bien, oui. Certains d'entre vous, dans le passé, tu as peut-être trop souvent autorisé d'autres personnes à franchir tes propres frontières. Pourquoi Par peur Par peur d'être mal vu Posez-vous cette question. Eh bien, la fleur de vie, elle te vient en aide aujourd'hui pour que tu puisses plus fréquemment dire oui oui à toi et à tes propres besoins mais aussi pour que tu sois plus souvent capable d'opposer un refus au dépassement des limites de ton corps de ton propre champ c'est pas parce que vous dites non que vous n'aimez pas n'est-ce pas et ce n'est pas être égoïste dire non n'est pas égoïste cette belle fleur de vie te fait prendre conscience que ton non est un refus affectueux. Autorise-toi à sauvegarder de mieux en mieux ton espace de bien-être énergétique personnel. Ne laisse pas aux autres le faire. Ce n'est pas aux autres de fixer tes limites c'est à toi même et si les autres n'acceptent pas tant pis pour eux ce n'est pas parce que tu dis non encore une fois que c'est égoïste et que tu n'aimes pas ça n'a rien à voir alors cette belle fleur de vie crée une magnifique zone de protection tout autour de toi et elle vient à ton secours eh bien pour t'aider à construire un espace rien que pour toi pour que tu puisses dire non quand il faut il te sera ainsi facile eh bien de te protéger des influences extérieures de te sentir à l'aise dans ton propre espace et grâce à ce réconfort qui t'est ainsi procuré tu te sentiras sûr de toi et tu seras enfin capable d'opposer un non, mais c'est un non affectueux à toutes les exigences qui ne cadrent pas avec la voie de ta vie. La fleur qui te permet de fixer des limites elle te procurera l'énergie nécessaire pour sauvegarder tes limites personnelles, pour les protéger, mais aussi pour les élargir à l'occasion. Ton espace personnel de protection, eh bien, est une sorte de lieu mystérieux, sacré, et il est censé être cultivé par toi, pas par les autres. Il te protège de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Et c'est toi seul, encore une fois, qui peux décider de combien d'espace tu dois disposer pour être à l'aise. Et cette belle fleur de vie, elle te soutiendra pour soigner et sauvegarder ce champ. Il est important que tu prennes attention à toi et que tu, ne fasses, que tu ne fasses pas les choses pour plaire aux autres, pour être aimé. C'est important. Tu dois te fixer des limites. Quel beau message, n'est-ce pas pas, pas toujours facile hein, à, à mettre... Euh, euh, à mettre sur pied euh, et puis à, à se fixer des limites parce que bon, voilà. On a peur de blesser, on a peur euh, de ne pas être aimé, on a peur euh, euh, d'être mal euh, mal vu, mal jugé euh, parce qu'on dit non. Donc c'est pas facile hein, dans, dans la vie courante, mais ça s'apprend, vous savez. Ça s'apprend. Alors on termine avec l'oracle des couleurs. Rose chair. Couleur chair. Rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Je vous souhaite une toute toute belle journée et puis on se euh, on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là eh bien portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.